السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم لو باتريوت في درج جديد. اليوم غادي نشوفوا القصة رقم 3 في لا سيري ديال لي زون دو بيلز استوار. لانتيتولي دو سيت استوار ولو تيتر سي اون بون ابري ميدي مساء جميل. On va d'abord commencer par la lecture de cette image. Il s'agit de trois petites filles qui jouaient dans un pâturage. Deux qui sont très heureuses, ils sautillaient et ils se poursuivaient. Vous avez un ciel estampé d'un nuage. Un nuage gris, c'est pas grisâtre, mais marron. Un peu marrant. Et puis vous avez une fille qui est un peu malheureuse parce qu'elle vient de tomber à cause d'une pierre d'achoppement qui l'a heurtée. Elle a perdu sa chaussure. Elle met des chaussettes rouges, un tablier blond avec des fleurs, des dessins de fleurs, puis une robe rouge. Elle vient de tomber et l'expression faciale qu'il a, c'est une expression de tristesse. Alors je passe à la lecture du texte, mais avant la lecture, j'aimerais signaler que il y a des points ici qui représentent ou qui marquent la ponctuation. Il faut donc respecter les intonations. Il faut également respecter le temps d'arrêt qu'on réserve à chaque marque. Exemple, la virgule, on s'arrête un petit moment, qui est moindre en comparaison avec le point, par exemple. Et puis, pour les intonations, il faut faire la différence entre une phrase affirmative, exclamative, interrogative, etc., etc. Puis, vous avez aussi ces marques qui représentent la liaison, là où il faut faire la liaison. Alors, on commence la lecture, bismillah. Une bonne après-midi. Aujourd'hui, Claire reçoit ses amis, Louise et Michel. Maman lui a mis un joli tablier fleuri et un beau nœud dans les cheveux. Les voici, maman. Louise et Michel, deux robustes petites filles, entrent et se précipitent vers Claire. Bonjour, petite Claire. Michel serre très fort la fillette dans ses bras pour l'embrasser. Louise en fait autant. Claire, à moitié étouffée, mais contente, se dégage avec peine. « À quoi allons-nous jouer ?» demande Louise. « À la poupée, » propose Claire. « Non, » dit Michel, « allons courir dans le jardin. » Les trois petites filles se poursuivent dans les allées. Elles ont très chaud. Elles sont toutes rouges. Soudain, Louise heurte une pierre. Tombe et pleure à gros sanglots. Michel et Claire ne peuvent la consoler. Mais justement, maman appelle. Allons, petite fille, venez goûter, il y a un gâteau au chocolat. Aussitôt, Louise cesse ses larmes. Michel prend Claire d'une main, Louise de l'autre, et les trois fillettes rentrent à la maison. Encore. Mettre rentre à la maison, bien rentre à la maison en courant. Bien. Donc après la lecture, بعد ما قرينا حاول ما امكن ديروا تتوما اي ليكتور واحترموا فيها فين خاصكم توقفوا النقاط والفواصل حاول ما امكن قراو وما توقفوا حتى لا مارك. Aujourd'hui, Claire reçoit ses amis. خاصني نحبس ما نكملش. Louise et Michel. Donc, ما نوقف حتى فين كاينه النقطة. D'abord, on est marqué les mots qui sont difficiles. J'ai marqué les mots, c'est pas qu'ils sont difficiles, mais qu'on doit apprendre grâce à ce texte. Vous avez après-midi, reçoit, ami, donc en vert, j'ai mis les verbes. Et en cette couleur, en beige, j'ai mis les noms, etc., etc. Bon, on a le mot, une bonne après-midi. زوال جيد. Aujourd'hui, Claire reçoit ses amis. اليوم, Claire, واحد البنت, غادا تلقى, غادا تستقبل ses amis, صحاباتها.
Louise et Michel, دائما اللي كندرو لي نوم بروبر في سميتو في شي تكست ما تنساوش كي تكتبو بماجيسكول انيسيال يعني الحروف الاولين ضروري تكتبهم بماجيسكول ولا نقطه كنديرو ماجيسكول مامون لو يامي ان جولي تابليي فلوري اي ان بونو دون لي شيفو الوالده ديالها ديال كلير دارت ليها واحد الطابليه يعني لبساتها واحد الطابليه زوينه فيها الورود او الزهور شنا داك النهار فلور اي ان بونو ودارت لي واحد العقده العقده الشعر مثلا او العقده اللي كنديرو فشي حبل سابيل ان نو دون لي شيفو دارت لي هذاك لو نو العقده دارتها في الشعر ديالها نقطه لي فواسي مامون هما يا امي شكون هاد هما هما صحاباتي لويز وميشيل هنا في هذا البوان ديكسلاماسيون نورمالمون كونت اون برونونس اي سي اون ايتي اون سيتوياسيون اي اون ايتي على لا بلاص دو كلير كون كنا في بلاص كلير خاصنا نحسو بواحد النوع ديال الدهشه بالفرحه اوكي الوغ لويز وميشيل هذا الناراتور كيعاود ليهم هو السارد لويز وميشيل غيديرنا الوصف ديالهم كي دايرين دو بوتيت في روبيست جوج بنيات صغار لكن قويات entre دخلوا et se précipite vers Claire دخلوا ودغيا زربوا باش يشدوا في كلير او باش ينقوها bonjour petite Claire اهلا Claire الصغيره ميشيل سير تري فور لا فيت دون سي برا هاد ميشيل غادات تعنق او تعنق بقوه كبيره هذيك لا فيات ديك الدريه الصغيره دونك الصغيره فيهم هي كلير اوكي غادي تعنقها دون سي برا بين دراعها بو لومبراسي باش تبوسها لويز اون في اوتون لويز حتى هي غادا دير نفس الشيء ولكن ما تنساوش راه قلنا عليهم روبوست يعني قويات وحيت قويات والبنيه كلير الصغيره حيت قلنا عليها فيات دريه صغيره اشنو غيطرا كلير ا مواتي تو في كلير تخنقات شويه من داك قوه الشده و داك الحضن ديالهم مي لكن كونتونت فرحانه سو ديجاج افيك بان حيدت راسها من ديك التعنيق ديالهم او ديك الشده ديالهم افيك بان يعني بشويه ديال الصعوبه افيك بان اكوا الون نو جوي وحده فيهم ما تهضر شكون لويز غادي تطلب او غادي تقول لهم لاش غادي نلعبوا اكوا لاش غادي نلعبوا الجواب على بوبي بروبوز كلير ما تنساوش هاد لي تيغي هاد لي تيغي في لا بونكتياسيون لارج اتبي كوم لا بونكتياسيون هادو ملي كتلقاهم في النص يعني راه كاين حوار بون اكوا الو نو جوي دوموند لويز على بوبي غنلعبو بمونيكات او بالمونيكا بروبوز كلير هادي الفكره ديال كلير ولكن وحده اخرى قالت لي لا نو دي ميشيل راه كاين جوج ميشيل كنقولوها على المراه وكنقولوها كذلك على الراجل ولكن ما كتكتبوش بحال بحال الوغ بالنسبه للبنيه الصغيره سميتها ميشيل قالت نو الون كورير دون الجاردان يلاه نجريو في الجاردان لي تخوا بيتيت في سو بورسيف دون لي زالي هذوك الثلاثه ديال البنات الصغيرات سو بورسيف وحده تبع اخرى فين دون لي زالي يعني في دوك الممرات مرات اللي كاينين في الجرده او في لي باراج حدا الدار ايلزون تري شو او سخنوا بزاف ايلسون توت روج ولا حمرين ايلسون توت روج سودان فجاه لويز اورت اون بيير فجاه لويز هذيك لا مويانا اورت هذا الضرب لو فيرب اورت يضرب اون بيير واحد الحجره غادا تطيح طومبي بلور غاتطيح وغاتبكي طومبي بلور عندنا هاد الافعال دارتهم لويز ايل سون سوكسيسيف هاد الافعال هادو سون دي زاكسيون سوكسيسيف واحد تابع الاخر ضربات حجره طاحت ولات كتبكي ا غرو سونغلو هي ملي كيبكي الواحد وكيبكي من قلبه سو دير كيبكي وكينوح ا غرو سونغلو اون دي بلور اون سونغلو Quand on frappe un petit enfant et qu'il se sent innocent normalement, il n'a rien fait, il n'a pas fait de bêtises, et puis vous l'avez frappé, à tort, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure à sanglots. Il y a une équipe qui, mais n'est-ce pas? Michel et Claire. Michel et Claire, avec le bénis au raga, ou avec Michel et Kvira, ne peuvent pas la consoler. Mais quand un homme est heureux à dire là, consoler. Mais, la kin, justement, donc, tu es un homme, mais non, ma quadrache, un homme, tu es
Justement, Huslhad, maman appelle. La maman dit, elle claire, à date route, elle est au Meshijio. Donc, le Khora, elle se brasse à consoler. Pourquoi? Parce que c'est une adulte, c'est la maman de Claire qui a appelé tout le monde. Allons, yalla, au Jio, allumu, petite fille, ayatou hasarirat, atteflat sarirat, venez goûter, feltatina, les têtes de wakna, goûtez, goûtez, je goûte. J'ai l'habitude de boire du thé. Je goûte le sens gustatif. Le sens gustatif, wahasat dhok. Goûter, c'est dhok. Le goût est dhok. Alors, venez, ajou, goûtez. Ajou, dhok, chnou. Il y a un gâteau au chocolat. Ken qaddem lkom, wahad gâteau au chocolat. Aussitôt, mais moi, j'ai de ma. Et le walid a dit à Claire, la maman, lui sèche ses larmes. Donc elle est consolée. Elle a dit elle sèche ses larmes. Et Annie Louise a dit m'sèche. A dit m'sèche ses larmes. Le verbe sécher est a dit jif. Deux mois a dit elle. Michel prend Claire. Michel a dit tahadhij. Michel, on a l'impression que c'est elle la grande. D'accord? Et elle qui bien affirme. Il prend Claire du ma. A dit Claire m'nid d'ouhda. Et Louise de l'autre. Ou Louise m'nid d'l'khra. Et les trois filles rentrent à la maison en courant. A dit Claire d'l'biniyat. A dit n'id khalo. Dar b'jaria. Ou darbina b'jaria. Voilà. Voilà donc pour le vocabulaire. Pour les mots difficiles, c'est pas vraiment les mots difficiles. Moi, j'ai déjà marqué les mots. Aujourd'hui, un tablier, un nœud. Aujourd'hui, un tablier, un nœud qui est un khlet chéada. C'est la deuxième partie de la vidéo. D'abord, le vocabulaire. Ok, yalla. Une après-midi. Fil asl kant une bonne après-midi. Fil nouan. Alors c'est quoi une bonne après-midi? Deuxième mot. Nous avons un nœud. Un nœud. Fil la phrase kant maman lui a mis un joli tablier fleuri et un bon nœud. Un bon nœud dans les cheveux. Alors ashnou atkoun le nœud. Le verbe c'est nouer. Bghit nchrahha khalikom tchoufou wach aqlt. Le mot suivant, la poupée. Wahda fihom, qtarhat annahom yelabou b la poupée. C'est Claire. Il a dit, d'abord, à quoi allons-nous jouer? Demande Louise. Claire va répondre, à la poupée. Alors, c'est quoi la poupée? Mshoul, une allée. Une allée. Fl asl kanat, les trois petites filles se poursuivaient dans les allées. Dans les allées, dans le jardin, les allées retour. Ben, je fous à chaque alzou. Les sanglots, sanglots. Ils ont dit que ils pleuraient aux sanglots, aux gros sanglots. Ils pleurent en sanglots. Alors j'ai le texte, je fous à chaque alzou. Les larmes, on pleure. Quand on pleure, on a les larmes qui sortent. Des yeux. Il coule des yeux. Les appels des larmes. Attention. Il y a les armes. Les armes, on les utilise dans la guerre, quand c'est blanc, la guerre, ou les larmes quand on pleure, qui on les appelle des larmes. Les fillettes. On dit les filles et les fillettes. C'est un diminutif. Tsrer. Klima tsrer, dit el klima khra. Klmachra, recevoir schnaf, la communication progressive. Schna, envoyer, émettre, expédier. Ou lak, c'est recevoir, recevoir. Ok, n'chufu. Klmachra, maître. Elle a mis à sa fille un joli tablier fleuri. Maître. Je mets ton nom dans la liste. Entrer, le contraire c'est sortir. J'entre. Ou bien je rentre une deuxième fois. Il rentre du travail.
se précipitaient. Quand Louise et Michel sont arrivés chez Clara, ils se précipitent pour l'embrasser. Se précipitent. Alors, c'est quoi se précipiter? C'est un verbe du premier groupe. Serrer. Quand on aime quelqu'un, on veut l'embrasser, on le serre. بغيتش ندير الاشارات باش ما نساعدكمش تفهموا حول ما امكن نتوما ترجعوا شوفوا واش عقلتوا على الكلمات كاملين. Embrasser. On embrasse une personne parce qu'on l'aime. Ça vient des bras. Prendre dans les bras. Serrer dans les bras. Pour embrasser. Mot suivant. Se dégager. Quand ils ont serré la fillette Claire, Michel et Louise, quand ils ont serré Claire parce qu'il était la plus petite, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait du mal à se dégager de cette emprise, d'accord? De leurs bras, se dégager. On dit aussi de cet homme se dégage un sentiment de, par exemple, de confiance. On a l'impression qu'en voyant cette personne, on ressent la confiance. On a confiance en lui. Donc, la confiance se dégage son aspect physique, par exemple, son aspect facial ou psychologique. Aller jouer. Je demande à mes camarades d'aller jouer au terrain, au foot. Aller jouer. Demander. Claire demande à ses camarades de jouer à la poupée. Demander. Proposer. C'est quoi proposer? On propose à quelqu'un de faire quelque chose. Quand on est indécis, on est entre amis et on veut faire quelque chose qui va nous divertir. Chacun peut proposer quelque chose. Je propose par exemple d'aller jouer, courir dans les allées du jardin ou bien de la prairie. Alors c'est quoi proposer? Aller courir. Je vais courir avec mon chien dans le jardin, ou bien près de la plage, ou dans la plage, pardon. Poursuivre. Les trois fillettes se sont sorties, ou bien sont sorties dans le jardin et se poursuivent. L'une suit l'autre. Avoir chaud, on l'a vu, avoir froid, avoir chaud. Nous l'avons vu dans la conjugaison progressive. Nous avons dit que le verbe avoir peut aussi signifier des sensations. Sentir du froid, sentir de la chaleur, etc. Avoir chaud, avoir froid, avoir faim, avoir soif. Heurter. On heurte. La fille a heurté une pierre d'achoppement, il a trébuché puis il tombe. Alors c'est quoi heurter? Le nom de heurter c'est un heur. J'entends un heur d'une biquille d'un aveugle ou bien d'un non-voyant dans la rue. J'ai entendu dans la rue le son de la béquille ou la case. Ok, la case à l'extrémité peut avoir du fer. Puis, quand ça frappe, ou bien quand il entre en choc avec le sol, ça produit un son. Ça s'appelle un heurt. Le verbe c'est heurter. Alors c'est quoi heurter? Tomber. On marche, puis on n'a pas vu une pierre devant. On l'a heurté et on tombe. Et quand on tombe, on se lève. Alors c'est quoi? Tomber. Pleurer. Claire, quand il est tombé, il a pleuré. Elle pleurniche. Il pleure. Consoler. Quand quelqu'un pleure, ton frère pleure, toi en tant qu'adulte, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de le consoler. Tu peux lui donner quelque chose qu'il aime, par exemple, pour qu'il se calme. Se calmer, se dire consoler. Alors, je n'ai pas consoler l'arbia. Du coup, il y a un peu de temps, j'appelle quelqu'un au téléphone, ou bien j'appelle quelqu'un pour m'aider. Appeler. Alors, je n'ai pas appelé. Venir. La maman appelle les petites filles. Venez goûter le délice du gâteau au chocolat. Alors c'est quoi venez? Le contraire de venir, c'est partir. Sécher, il sèche.
On dit les feuilles sèchent au soleil, les feuilles d'arbres ou des arbres sèchent au soleil. Alors sécher, c'est quoi? Clair quand il est tombé, il a pleuré, et puis quand la maman, non c'est pas Claire, mais c'était l'autre petite fille, il est tombé, la maman de Claire a appelé les trois petites filles, l'autre se sent un peu consolé par cette voix d'adulte, il a séché ses larmes, puis il a couru avec ses camarades. Prendre. Je prends quelque chose, je prends quelque chose. Alors c'est quoi prendre? Mais alors, attention, on peut aussi dire prendre soin de quelqu'un. Le médecin prend soin du malade. Rentrer. Il rentre du travail, c'est quoi rentrer? En courant, il rentre doucement, marchant, diligemment, vite, en courant, c'est quoi? Ça vient du verbe courir. Maintenant, qu'en sous le sous-al dit le kif et dachal. Dachala, en courant. Alors, c'est quoi courant? En courant, attention, qu'il n'a qu'il m'a courage courant, mais je ne sais pas, mais je courir, l'asl dit le courant. Joli et beau. Un joli tablier fleuri. Un joli tablier. La maman a mis à Claire un tablier, un joli tablier fleuri. Alors c'est quoi joli? Un beau tablier. Robuste, fort. Les deux filles qui sont arrivées chez Claire à la maison, elles étaient robustes. Et quand ils ont serré Claire dans leurs bras, Claire a trouvé du mal pour se dégager de leur emprise. Alors, robustes, ils sont robustes, ils sont fortes, fort robustes. Je n'ai pas fort ou la robuste. À moitié étouffé, pardon, c'est pas R et c'est pas c'est accent, d'accord? Désolé. Étouffé, à moitié étouffé, la moitié étouffé. Marche au fond de moi. Contente. Elle est contente, même s'il a senti, à moitié étouffé, mais elle était contente. Claire était contente, joyeuse. Alors c'est quoi contente? Avec peine, elle s'est dégagée de leur emprise. Avec peine. C'est quoi avec peine? Puis, soudain. J'explique la leçon, soudain, quelqu'un frappe à la porte. Alors, c'est quoi, soudain? Je n'ai pas soudain. Aussitôt, la cloche a sonné, les élèves ont ramassé leurs affaires, puis ils sont sortis de la classe. Aussitôt. Voilà, merci. Nous avons هذا الفوكابيلار كامل تشد وانكم فهمتوا مزيان هذه القصه وهذه الكلمات بغيتكم انكم تستعملوا منهم جمل وفقرات اللي غادي تقراو ليا نسمعهم في الواتساب. ميرسي بوكو. نتمنى انكم تشاركوا هذه الفيديوهات مع اصحابكم وبغيت انهم ينتشروا من اجل باش اللي ما كانش عنده لا شانس انه يقرا وخرج من المدرسه وندم يرجع للمدرسه هذه راه بحال كلاس بحال حاضر معايا في كلاس. ميرسي بوكو. السلام عليكم.